Salut à tous les mecs, salut. Je suis Terminani, le Terminator qui va garder vos enfants et ensuite les sacrifier avec Witchery. Salut les mecs, salut c'est Shani et on se retrouve sur un nouvel épisode Witchery. Comme vous voyez, nouvelle skin. Survivant, je vous explique hier avec les mecs de la Fail Team, on s'est fait un KTP un peu privé et il me fallait une skin pour ça. KTP, kill de Patrick, mais on s'est fait le nôtre, kill de Fail Team. Et ça a un peu merdé. Bon, je suis mort au premier épisode, 5 premières minutes. Un petit lag, j'étais en train de descendre une faille avec un seau d'eau et j'ai eu le lag habituel de la flotte. La flotte était là, je saute, wouh, plus de flotte, paf, hop, mort, premier mort. Donc, je voulais l'enregistrer, mais ça vaut même pas le coup de voir les 30 premières secondes, hein, vu que je meurs. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu, les mecs? Aujourd'hui, on va retourner. Déjà, on va regarder. J'ai ajouté quelques petits éléments au village. Au village! On a la serre. La serre, elle est pas mal. Alors, j'ai commencé à faire des trucs sympas. Ça, c'est de la fertilisette dirt. Pour ceux qui savent pas, avec de la bonne mille de la terre et. Où tu te caches? Avec de la bonne mille de la terre et. Vas-y, viens. Perdu. Bonne mille de la terre et. De la rotten flesh, on obtient ça. C'est de la terre fertile. Il y a déjà de l'eau à l'intérieur. Et ça fait pousser les plantes super vite. Donc là, on a tout ce qui pourrait être intéressant. Du coton, des fraises, des carottes. Pour l'instant, il n'y a pas tout, hein, mais il y a ce que j'ai mis. Voilà, ça, c'est fait. Ici, il y a le stockage que je viens de poser, qui est pas très très beau, donc qu'on va refaire plus tard. Et ensuite, si on passe par là, mais court abruti, court, on a un hôtel. Me demandez pas pourquoi il est là, mais il est là. Et on a cette petite baraque. Je sais pas si je l'avais montré. On va y aller. Hop. C'est ma cabane dans l'arbre, donc on a l'arbre. Je ferai le tour en chauve-souris pour vous montrer. Et quand on y monte, hop, hop, pour l'instant il n'y a même pas les escaliers pour vous dire. Hop, hop, hop. On a la station, le Witch's Oven. On va avoir tous les trucs et tout. Il faut que je ramène tout ici. Et donc j'ai décidé pour ce petit village de faire une maison par thème. Donc là, c'est là où on récolte le fumier. Passons en chauve-souris. Et donc, la petite maison dans l'arbre, regardez ça. Au milieu du feuillage, avec de la Spanish moss un peu partout pour lui donner cet aspect âgé. Faut encore que je fasse la déco ici, et c'est pas fini. Mais j'ai avancé aussi sur celle-là, donc maintenant ici, on sait que c'est la station d'enchantement. Voilà. C'est ça la petite nouveauté du jour, hein. Donc, hop. Hop, hop. Et on descend. Et on vient à la Shani's House. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu, les mecs? Aujourd'hui, on va essayer d'aller visiter une nouvelle dimension, une de Witchery. Ouais, parfaitement, la dimension des sorciers. Enfin, plutôt la dimension des rêves ou du cauchemar. Et parti comme c'est parti, on va faire un cauchemar. Mais pour ça, il faut que je redevienne Vermichani. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur cette skin si vous la préférez à l'autre. Moi, j'aime bien ma skin de prisonnier, mais celle-là, ce sera ma skin PVP. PVP survivant prêt à tuer. Niarara. Hop, d'ailleurs, tiens, hop, Mr. Clyde. Ce sera Mr. Clyde, les gars, j'ai trouvé la skin à Mr. Clyde. C'est cool, il va me falloir que j'enfile ça. Tiens, hop, pourquoi? Parce que regardez, 35% de chance d'avoir un nouveau breuvage. Et les creepers vont vous ignorer. Et 35% de chance d'avoir un breuvage. Hop, et la première chose qu'on va faire, et j'ai tout prévu les mecs, vous inquiétez pas. Est-ce que j'ai de la place quelque part pour stocker ma merde? Ça, j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin. De toute façon, on va tout perdre si tout se passe bien, tout perdre. On va être en slip dans cette dimension, parce que c'est un rêve. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'il faut commencer par faire? Il nous faut du lait purifié. Pour faire du lait purifié, il vous faut un seau de lait. 3 clés de jar et un odeur of purity, si je ne me trompe pas. Donc, si je me trompe pas, tu fais ça. On va vérifier d'ailleurs. Purified milk. Le milk. Ouais, c'est ça. Donc ça, avec une petite odeur de pureté, donc on va le purifier, et puis on prend ça. Et on en obtient notre lait purifié et il me rend le seau. Le lait purifié, c'est fait. Donc, toi, tu vas servir ici, de toute façon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va vouloir prendre? On va faire de la place. Non, pas ici. Ah, on va vouloir faire la place ici. Et on va vouloir faire... ça, il va me falloir...
Et il va me falloir cacao, golden carotte, une rose, water artichoke, lily pad et un whiff of magic. Et de l'eau, plein d'eau. Hop, j'avais prévu, j'ai laissé de l'eau, vous avez vu. Hein. Hop. Et on va aller en récup de suite. Rends-moi mes clés. Et transforme-toi en chauve-souris. Comme ça. Vu qu'on va en revoir besoin après. Hop, hop. Même pas besoin de se mettre en chauve-souris, je suis bête. Non, on garde la skin de Terminani ou Shaninator. On déconnait avec les mecs hier soir dessus. Hein. Shaninator, Terminani, plein de choses. Voilà. Non, non, pas là. Là, dans le trou. Alors, ce que vous savez pas, c'est que j'ai été pranké par East, parce que je lui avais laissé la plante troll et elle a bien pété. Et il m'avait mis... Et vous allez voir des trous partout comme ça, hein. Il y en a là, il y en a là... Et il m'avait mis une putain d'alarme incendie de Mr. Crayfish, planqué, mais dans le jardin. Sous terre, dans le jardin, je sais plus où. Pour vous donner la portée de cette chose, quand on était chez Buppy, on croyait que c'était chez Buppy que c'était planqué. On a cherché pendant une heure, jusqu'à ce que j'ai l'idée d'utiliser le Sonic Glasses. Je vous donne l'astuce si jamais on vous le fait. Vous prenez les Sonic Glasses, c'est des lunettes qui servent à voir les sons. Et dès que ça sonne, vous verrez un son avec un point d'interrogation là où c'est. Et donc c'est parti, on commence. Cacao, c'est bon. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Vous savez ce qu'il me faut? Il me faut ça. C'est bon. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Brew of Love, les gars. Le Brew of Love. Le Brew of Love. Qu'est-ce que ça fait? Ça peut permettre de faire s'accoupler des bestioles. Passage en chauve-souris, on va vérifier ça de suite. Et c'est avec ce breuvage qu'on va pouvoir, comment dire, faire s'accoupler des zombies invoqués. Pour avoir des bébés zombies. Mais je voulais vérifier, on a combien de villageois? 3. Il y en a qui sont morts, les gars. Bam! Accouplez-vous! Et hop, un villageois! Il est où le bébé? Il est où le bébé? Petit, 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 petit! Il a dû déjà partir, je l'entends. Accouplez-vous! Accouplez-vous! Ça y est, c'est fait! Ils se sont accouplés! Vous avez vu comment on fait une ferme à villageois Witchery? Et ça marche aussi sur les bestioles. Est-ce qu'on a des bestioles par ici? Je crois que Buppy a planqué des vaches pas loin. Buppy! T'es là? Non? Je suis tout seul? Oui, je suis tout seul. Ah, ok. Ouais, on s'est couché super tard à cause du KTP. Et là, il est super tôt, donc... On peut... Ça marche aussi sur les nanimaux. Genre... Partouze! Voilà. Donc, je vais garder les Brew of Love. On a fait le breuvage de l'amour. Oh. I don't mind. Et ensuite, je voulais faire le Brew of Sleeping pour dormir. Alors, Sleeping. Brew of Sleeping. Dans un kettle, vous voyez, milk purifié, whiff of magic, un cookie, icy needle, le brew et water artichoke globe. Ok, normalement j'ai tout. Le lait purifié, c'est bon. Le brew of love, c'est bon. Le purifié de milk, c'est bon. Icy needle, ça, et un cookie. Il a bien bossé le Shani. Il a bien bossé. Allez, 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 il me faut de l'eau. Allez. Désolé les mecs, je suis en train de me... On va rester en chauve-souris. Parce que si jamais on atterrit dans un cauchemar, vous allez voir. T'es prêt? Hop, de l'eau. Il me faut ça, voilà, des petites bouteilles. Et ensuite, allez. Un peu plus haut, ça sera peut-être mieux. Brew of Love. Ok. Ok. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Comme ça va être bon. Brew of Sleeping. Vous êtes prêts les mecs? Allez. Fais pas un cauchemar. On a besoin d'un ingrédient là-bas qui s'appelle le Wispy Cotton. Le Wispy Cotton, du coton qui soupire, on pourrait dire. C'est sa traduction. Et on va aller le chercher. 2 petites secondes pour une gorgée de café pour être chaud. Chaud comme Marseille. Désolé.
Allez, et en chanson. Voici venu le temps des pleurs et des cris. Pour tous les enfants, c'est le cauchemar Witchery. C'est le pays joyeux des monstres hantés. Allez, on arrête, il est temps d'y aller. Downloading terrain, ça a marché. Ça a marché. Alors, un rêve, il aura un ciel joli, et un cauchemar, il aura une mauvaise ambiance. Et peut-être même certains mobs qui vont... Voilà, cauchemar. Cauchemar, voyez le vert partout. Oup ! Je peux pas voler ? Ah, DVD. Vous voyez, je suis en string, et on est au pays du cauchemar. Alors, Wispy Cotton, il me faut de la bouffe aussi. Y a rien à bouffer, là. Rien à bouffer. Il fait nuit, les mobs me poursuivent. Et ça, j'entends un cauchemar. Psst, vous l'avez vu, c'est comme un Enderman qui se téléporte et il va venir essayer de vous botter le cul. Mais quand je dis botter le cul, c'est botter le cul. Wouh, des archers, des zombies. Non, les gars, non. C'est quoi ça? Non, c'est pas ça qu'on cherche. C'est ça. Dis-moi que c'est ça. Allez. Coton tout court. Dégage. Ah oui, il devient invisible, c'est vrai. C'est coton normal, ça? Coton. Non, c'est pas ça qu'il me faut. Il me faut du Disturb ou du Wispy, je sais plus. Dégage ça. Et toi aussi, dégage de mon inventaire. Est-ce qu'on pinch un cochon? Pinch. Petit. Dégage, je te dis. Allez. Bon. À la recherche du coton perdu, je n'en veux plus. Wouhouhou! Creeper, je m'approche pas, t'inquiète pas. J'ai encore mon armure Witchery? Non, même pas, rien. Non, ça c'est du parler, Shani. Allez, hop, allez! Là-bas, c'est quoi? C'est ça. Oui, ça a l'air d'être ça. Ouh, Disturb Coton, c'est ça. Oh, tape dans mon cul. Alors toi, le squelette, tu sais quoi, je me casse? Tu vas despawn? Hein, gentiment. Et je crois que le Disturb Coton, je peux le garder en revenant. Faut savoir que si je meurs ici... Qu'est-ce que tu crois que tu m'effraies? Moi, je viens, je te mets des coups de stick et tout. Raté. Allez, il m'en faut un paquet. Hop. Et il y a l'autre enfoiré qui arrive. Hop. Ah, j'ai tellement pris l'habitude. Ah, fais chier, chaque fois que je me connecte. Mais viens, toi, viens prendre ta tarte. Wow. Il tarte, mais comme un camion lancé à pleine allure. Maman, regardez, 6 cœurs d'un coup, maman. Ça t'a relevé le numéro du train qui m'a tamponné. Aïe, ça fait mal. Et il est là encore. Il est où? Chut. Yep. Tiens, je t'attendais. Dégage, petite. Dégage, raclure. Yes. Dégage. Il me faut plein de Disturb Coton. Plein. Non. Stop. Je veux pas mourir. Mais dégage. 97. Yes. Vol. Plus j'en ramasserai, mieux ce sera. Là, il y en a encore. Musique de Tetris, les gars. Allez, il m'en faut un peu plus encore. Et faut savoir que je vais utiliser ça pour fabriquer un attrape-rêve. Oui, parce qu'avec Witchery, on peut attraper les rêves. Pour être sûr d'aller... Qu'est-ce que t'es, toi, tu voles? T'es tout mignon? T'es quoi? Coucou. Arrête de... Saloperie. T'es quoi? Allez! J'essaye d'attraper le vif d'or, les mecs. Le vif d'or, viens là. C'est pas vrai. Bon, ça suffit.
Il me faut encore un peu de coton. Donne-moi du coton, du coton, du coton, du coton, du plein de coton. La voix de aiguë de Chani, ça donne ça. Mais je suis pas... Maman, j'ai pris un avion dans la gueule. J'ai plus de bouffe. J'ai plus de vie. On va bientôt mourir. Ok. Da 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 da. Allez, musique de Super Mario. Il me faut des derniers cotons. 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 Oup, 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 oup. Est-ce que... Je voulais vous dire, les mecs aussi, je vous conseille d'aller voir la chaîne de mon ami Théo Petit. Il a posté, pour tous ceux qui sont intéressés par les recrutements et compagnie, il a posté une vidéo informative là-dessus. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Ça vous donnera peut-être plus d'infos. Toi, je vais te démonter la gueule. Combien il te reste de vie? 90. Il régène en plus, je me casse. Si je pouvais trouver quelques derniers cotons. Quelques-uns. Non, 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 non. Là. Là, 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 là. Non, ça c'est du coton normal. Dégage. Allez! On va retourner près du spawn. Peut-être il m'oubliera le nightmare. Oublie-moi, je n'existe pas. Et en plus, il fera jamais jour, les mecs. Ça peut être super intéressant de monter une base ici pour faire un mob grinder. Je me demande si j'arrive à piéger un cauchemar dans un mob grinder, ce qui se passerait. Cette espèce de bestiole-là qui nous poursuit, c'est un cauchemar. Si on la coince dans un mob grinder, est-ce qu'on récolte les drops du cauchemar et est-ce qu'il meurt? Est-ce que quelqu'un a déjà essayé? Parce que sinon, on fera l'essai, hein. Bon, je vais pas tarder soit à crever de faim, soit à crever. L'armée des squelettes, non, vous m'avez pas vu. Il me faudrait quelques cotons, allez les gars. Donnez-moi du coton, Chani veut du coton. Par là, il y en a pas. Il y en a pas, il y en a pas, il y en a pas. On fait quoi, on se petit suicide? Allez, tant pis. Non, j'ai encore une barre de bouffe. Viens là, viens, viens. Tiens, rat. Dans ta face. Pardon les mecs, pardon. La la la, je ne veux pas mourir ce soir. Non, vous mourrez pas. Ah, y a pas de B. Ah, allez. Y a plus de coton, y a pas de B. Désolé les mecs, hein, aujourd'hui c'est pas de l'explo, mais on a une autre dimension cauchemardesque. Oh, peut-être dans le biome magique il y en aura. Ouais. Ouf. Serveur. Merci. Ça y est, je suis mort. Et on se réveille et j'ai gardé mon coton. Ce qu'on va faire, c'est... Ça y est. Le passage d'une dimension à une autre est assez rude. Ce qu'on va faire, c'est remettre sur stand notre armure pour pas qu'elle prenne des dommages. Alors c'est un armor stand de Bibliocraft, ça se fait avec 3 slabs et 2 fers. Hein. Donc tiens, prends ça. Tiens mon Gary, tiens, prends ça, prends ça. Toi, tu remets... T'es con, Chani. Hop. Et c'est la classe en plus. J'adore cet armor stand. Allez. Viens dedans. Voilà. Remets. Termination. Il a failli hier soir. Ah là là. Ah là là. Le prochain KTP, si l'épisode fait plus de 30 secondes, on le mettra ensemble. Il y a un villageois qui s'est pinché. Bon, tant pis pour lui. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce Disturbed Coton? Hihihi, vous voyez, 4. Et on a un Tormented Twine. Et avec Tormented Twine, qu'est-ce qu'on fait? Dreamweaver of Leafoot. Dreamweaver of Leafoot. Ok. Dreamweaver of Iron Arm. Ça, c'est bon. Dreamweaver of Fasting. Dreamweaver of Nightmare, pour être sûr d'avoir un cauchemar. Ou Dreamweaver of Intensity. Dreamweaver of Fasting. Iron Arm. Et c'est celui-là. Fleetfoot. Je sais plus lequel il me faut. Laissez-moi aller vérifier, les mecs. Heureux. Donc, je pense que celui qu'il nous faut, c'est le Dreamweaver of Nightmare. Alors. On va essayer de se le crafter de suite. Dreamweaver. Non? Comment ça s'écrit? Dreamcatcher.
Ah, il y a un espace. Of Nightmare. Alors, il nous faut potion de vision nocturne, splash, potion de poison, diamond vapor. Eh ben, je préparerai ça pour le prochain épisode. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'on peut planter ça ici, non? Ok, on peut pas planter ça ici. Mais est-ce qu'on peut le planter ailleurs, dans ce cas? Aujourd'hui, on a visité un cauchemar, j'adore. J'adore. Est-ce qu'on peut le planter sur de la fertilisette dirt, par exemple? Non? Même si je fais ça, j'obtiens pas... Non? Ok. Donc je peux juste les utiliser pour avoir du Tormented Twine. Et j'ai trouvé ça, les mecs. C'est très très rare d'en trouver. Enfin, j'en ai pas vu beaucoup. Turnip. Yes. Eh ouais. Et j'ai trouvé cette plante. C'est une plante rare de Biome Plenty, apparemment. Apparemment, hein. Je sais pas. À vous de me dire si c'est rare ou pas, mais moi, je l'ai. Et voilà. Donc, on va aller à notre truc et on va aller voir le Tormented Twine. Non, c'est celui-là qu'il nous faut. Ouh. Toi, tu dégages, faisais des cobwebs. C'est long. Et qu'est-ce qu'il faut y rajouter? Attendez. Il y a un truc à rajouter, je suis sûr. C'est toujours comme ça avec Witchery, ça te coûte toujours du pognon. Il faut Ring of Misfortune et un string. Ok, j'en ai deux, ça tombe bien. Ring of Misfortune et un string. Combien j'ai de Ring of Misfortune? Ring of Misfortune, j'en ai 4. Et des strings. Let me see the string. Ok, j'en ai pas ici. Je dois en avoir dans mon autre base. Mais, yep. Sors ton épée quand même. Oui, parce que le gros problème ici, c'est que c'est l'enfer la nuit. Est-ce qu'il fait nuit? Est-ce qu'il fait nuit? Non, c'est pas l'enfer, c'est bon. Y'a pas de creeper? Non, c'est bon. Buppy m'a fait péter un creeper ici, ici aussi, je sais plus où. Et c'est le roi des creepers. Je t'aime, Buppy, je t'aime. Mais un jour, je te ferai péter. Oui, je voulais voir, est-ce que j'ai du fil? Pas là. Sûrement dans mes coffres à bordel. Coffre à bordel. Ta-la-la-la-la. Ici. Non. Ici. Oui, 17. Ça ira. Merci, ciao. Et le Ring of Misfortune, avec quoi je l'obtiens? Non, j'ai dit obtiens, recipe, R. Non, R. Avec Alder. Faire ma Alder dans pas longtemps. Ok. Ok, on retourne à la maison? On retourne à la maison, hop. Hop. J'adore ce système de TP, mais il fait pas assez Witchery à mon goût. Pas assez. Ok. Ah oui, et je voulais vous dire, les mecs, pourquoi on va dans les cauchemars, dans les rêves? Déjà parce qu'on le peut, parce qu'on le veut, parce qu'on le peut, et surtout parce qu'on va essayer d'obtenir un truc qui s'appelle le Flowing Spirit, qui nous donne accès à du stuff au niveau Witchery, et commence à faire des choses très très méchantes. 17 fils, tiens. Et c'était quoi l'autre? Ah oui, Ring of Misfortune. Parce que ça aussi, on peut l'utiliser, j'ai vu, pour faire les... Vous voyez ce que je veux dire? On va s'en faire un, tiens. Scarecrow. Ouais, on va se faire un scarecrow. Alors, il faut un jack-o'-lantern, 4 laines, des sticks. Ok. Pendant que ça se fait. Jack-o'-lantern, 4 laines, des sticks. Alors, jack-o'-lantern, ça devrait pas être compliqué. Ça devrait pas. Logiquement. Vas-y, Shani, tu dis des conneries. Est-ce que j'ai une citrouille encore? On va retourner là-bas alors, hein. Citrouille. Village sorcier. Citrouille, je sais que j'en ai une là-bas. Captain Bigle. Allez, vas-y. Et le mec, il prévoit presque tout pour son épisode. Il a prévu pour aller faire le nightmare, mais c'est tout. Shani, tu fais que de la merde. Hop. Hop. Ça. Et non, en dessous. Donne-moi la citrouille, la citrouille. Merci. Est-ce que j'ai une torche? Oui, j'ai une torche. Bon, ben les mecs, on a fait la moitié du boulot, on a le jack-o'-lanterne. Maintenant, il me faut de la laine. Je dois avoir d'autres fils, là, peut-être j'en aurai assez pour faire de la laine. J'ai la flemme d'aller chercher un mouton et de lui tailler la tête. La flemme. Non, ça c'est déjà fait. Non. Ah ben j'ai de la laine directement. 1, 2, 3, 4.
et 3 sticks. Il faut savoir que quand on va faire cet épouvantail là, le Scarecrow, il fera pas que ça, après on pourra lui donner des pouvoirs. Oui, oui. Et pour ça, il nous faut le stuff haut niveau. Donc, on va dans la dimension des cauchemars, puis dans la dimension des rêves. Vive Witchery! Que je vous dis, Witchery, et c'est pour ça que je me suis focalisé dessus, est un mode super complet. Complet, complet. Est-ce que je peux manger un turnip, par exemple? Ouh, c'est pas mal, ça donne quoi? Un cœur et demi, enfin, une patte de poulet et demi. Ok, j'ai tout ce qu'il faut sauf le disturb machin là. Comment ça s'appelle? Tormented Twine, c'est ça? Cerveau de Chani. Tormented Twine. Maintenant, une table de craft. Une table de craft, il y en a une ici cachée. C'est parti. On fait ça. La recette, elle est à la fin. Et c'est parti, c'est fini. Voilà. On va finir avec mon pote. Yeah. Oh, il est trop mignon. Et on peut le teindre avec un colorant. On va se mettre à côté en thermichami. Et vous savez, chaque fin d'épisode, c'est pareil. On va faire... FN. Les mecs, il me reste plus qu'à vous dire, si t'as aimé l'épisode, que tu veux en voir plus sur Witchery, que tu veux voir plein d'autres choses d'Attack of the Fail Team, pas d'habitude. Nous, on est la Fail Team. Tu veux en voir plus? Tu laisses un j'aime, ça me dit. Continue la série, plus j'en ai, plus ça va aller. Et il me reste plus qu'à te dire, si tu veux recevoir toutes les vidéos, tu t'abonnes et passe une bonne journée. Peace!